Afro Gospel. Afro Gospel, votre émission. Désormais, suivez-nous sur www.infomediaone.net. Homme des dieux, artiste musicien, enfant des dieux, venez, Afro Gospel vous ouvre ses portes. Ce n'est pas facile dans ces territoires que nous sommes d'avoir une église et qu'une église qui pourra subsister jusqu'à totaliser 5 ans, c'est la grâce de Dieu. Au milieu de cette génération perverse, au milieu de cette génération aujourd'hui qu'on a pris l'église, on lui a vraiment massacré
Aujourd'hui, dans ce milieu où tu fais l'œuvre du Seigneur, mais il y a des gens qui te regardent avec dédain. Aujourd'hui, dans ce milieu où les gens ils servent le Seigneur, mais ils sont flagellés, ils reçoivent le caillou de partout. Mais s'il y a quand même des gens qui tiennent bon, nous rendons grâce à Dieu pour ça. Par le problème que nous subissons tout le jour, le problème de locaux, aujourd'hui vous êtes dans ce département, demain vous êtes dans ce département, vous changez de salle, des églises, il y a de ceux qui se fatiguent, mais il y a de ceux qui tiennent le coup et qui sont toujours avec vous. Et totaliser ça quand pour moi, il y a un grand merci qui vient tout droit de mon cœur dans le Seigneur. Et sur ces, j'ai une petite pensée que le Seigneur veut que nous puissions partager cet après-midi. Je ne suis pas venu exhorter, ni prêcher, ni enseigner, mais je suis venu juste communiquer une pensée dans la vie de quelqu'un. Amen. L'histoire que nous venons de lire, c'est dans le livre d'Exode. Moïse, qui a porté la loi en Israël, Moïse qui est allé libérer le peuple d'Israël dans la captivité en Égypte. Et Dieu dira à Moïse un jour, lorsque Moïse est arrivé au soir de sa vie, le Seigneur lui dira, tu appelleras Aaron ainsi que ses fils et tu vas me le consacrer. Tu leur donneras des habits sacerdotaux et tu leur oindras d'huile. Et ils seront à mon service et ils serviront l'Éternel Dieu. Et c'est ainsi que Moïse, obéissant à la voix du Seigneur, il a appelé Aaron et il a appelé ses fils. La première des choses, il a commencé à appeler Aaron et ensuite. Vous savez, il y avait un homme dans la Bible. Cet homme s'appelle Josué. Un homme de l'esprit, un homme de la grâce et un homme qui typifie Jésus dans plusieurs domaines. Mais la Bible dit, Josué était fils de Nun, serviteur de Moïse et serviteur de l'Éternel. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi la Bible met un accent sur son père? Alors que Moïse, qui fut appelé aussi par Dieu, mais Dieu il parle que de Moïse, mais il ne met pas accent sur son père. Mais arrivé autour de Josué, la Bible dit que Josué, fils de Nun. Je suis venu dire à quelqu'un, dans la chose de Dieu, tu dois avoir une source. Dans la chose de Dieu, tu dois avoir un père. Dans la chose de Dieu, tu dois avoir une référence. Que les gens connaissent au moins d'où tu viens. Que les gens connaissent au moins qui t'a ordonné. Et que les gens connaissent quand même si tu as aussi servi un homme. Parce que tu ne peux jamais servir Dieu si tu ne sers pas d'abord un homme. Dieu est esprit. Aucune personne, par le deuxième naturel, il peut voir Dieu. Mais on voit toujours Dieu au travers de ses serviteurs qu'il a établi. Et quand Dieu établit quelqu'un, tu dois d'abord commencer à servir cet homme. À servir le Dieu de cet homme. Parce que tout le monde n'a pas un Dieu. Il faut commencer d'abord à servir le Dieu de cet homme. Et quand tu serviras le Dieu de cet homme, c'est alors qu'on servira aussi ton Dieu. Je suis venu te dire, tu vas toujours avoir une source. Tu vas toujours avoir quelqu'un qui pourra te dire oui. Et tu vas toujours avoir quelqu'un qui pourra te dire non pendant que toi tu veux que ça soit oui. Laisse-moi te dire, Dieu quand il a dit à Moïse, Moïse devait consacrer
consacré Aaron ainsi que ses enfants. Mais dans consacré, il y a deux choses. Il y a grand et il y a sacré. Amen. C'est-à-dire, tu ne peux jamais entrer dans un travail sacré s'il n'y a pas quelqu'un qui a un droit d'onction au-dessus de toi qui pourront te mettre le main pour te transférer l'onction. Alléluia. Tu ne peux jamais servir Dieu de toi-même parce que c'est Dieu-là. La Bible dit c'est à Dieu qui se cache et c'est à Dieu qui se révèle. Le prophète n'était pas là pendant que le roi est allé sacrifier à l'Éternel un holocauste. En réalité, Israël, il y avait trois choses, trois points qui le faisaient marcher. Il y avait la royauté, il y avait le sacerdoce et il y avait le prophète. Le roi avait pour rôle de sauvegarder le territoire, d'empêcher que l'ennemi intervienne. Le sacrificateur avait pour rôle l'expiation du péché du peuple. Il a porté le péché, le sang, vers l'Éternel et le pardon se répandait sur le peuple. Et le prophète était le médiateur entre le sang et le peuple. Chacun travaillait, mais avec une barrière de limite. Un roi ne peut pas faire un travail de sacrificateur et un sacrificateur ne peut pas faire un travail de roi. C'est pourquoi, laisse-moi te dire une chose, il y a des barrières, même le jour où on te met lui, on te dit tu rentreras, mais il y a des choses où tu n'entreras pas. Amen. Amen. Tu as donné le don de prophétie, prophétise. Si Dieu t'a dit de guérir, guéris. Si tu ne guéris pas, laisse celui qui guérit. Chacun, il a son couloir de travail. Amen. Tu ne feras pas le travail des dermatologues si tu es un dentiste. Amen. Lorsqu'il y aura un problème de dent, l'ophtalmo ne fera rien. Amen. À chacun son couloir. Amen. Et à chacun de faire le travail. Amen. Si tu vois un homme de Dieu en train de faire quelque chose, si tu ne maîtrises pas, ne critique pas, parce qu'à chacun son travail et à chacun son couloir de travail. Amen. Il y a des gens qui traitent le problème physique, mais il y a des gens qui traitent le problème spirituel. Il y a des médecins à qui, dans toute la France, il y a des gens qui obéissent. Ils ne peuvent pas dormir sans prendre son cachet. Pourquoi? Parce que son médecin l'a dit. Mais laisse-moi te dire, il y a des médecins spirituels qui sont capables de guérir l'âme, qui sont capables de guérir l'esprit, à qui tu as mis de côté pour l'œuvre du Seigneur. Et ces hommes-là, ils ont droit qu'on puisse être attentionnés et les écouter. Amen. Par moments, nous oublions, nous pensons qu'on est devenu déjà ce qu'ils sont. Mais nous oublions une chose, il y a certaines guerres, il faut que Saül puisse entrer en exercice parce que c'est lui qui a des armures. Toi, David, tu as reçu l'onction, mais les gens n'ont pas vu, mais lui, son onction. Tout le monde était là lorsqu'on l'a oué comme roi. Amen. Écoute ce qu'il dit. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car il m'envoie. Laisse-moi te dire. David a été oué par Samuel. Saül a été oué par Samuel. Mais Jésus-Christ, c'était l'Esprit de l'Éternel. Les hommes sont venus confirmer quelque chose qui est de fait dans le spirituel. C'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'a élu, c'est Dieu qui t'a appelé et c'est Dieu qui t'a fait rentrer dans le travail. Mais nous les hommes, nous viendrons confirmer. On n'est pas consacré pour avoir un titre honorifique. On n'est pas consacré pour que les gens voient que non. Mais on est consacré pour faire preuve de ce que Dieu a mis en nous. Mais quand Jésus avait reçu l'onction, le paralytique, ils ont marché. Les affaires, ils ont retrouvé la vie. Le mort a été ressuscité. Il a annoncé une action des bras. Et je suis en train de dire que Dieu est en train de te voir pour que tu deviennes une solution au problème de certains. Et je veux consacrer ces 15 personnes, premièrement, ils ont le cœur
dans la vision. Un visionneur n'anime pas sa vision seule. Il y a toujours des hommes qui doivent interpréter la vision du visionnaire. Amen. Et quand tu as deux enfants, tu as deux hommes et deux femmes qui sont à la hauteur d'interpréter les visions et ils ont le cœur dans la vision, ils méritent d'être aussi consacrés et honorés. Dans ces temps où tout le monde, ils se sont mis dans un sac de malfaiteurs, où l'œuvre du Seigneur, quand tu le fais, il y a déjà des gens qui te disent, voilà ces aventuriers. Mais et ils ont le cœur dans la vision et ils ont compris qu'ils ont un homme à qui ils doivent obéir. Et à cause de ça, le Seigneur a permis que je puisse le consacrer. Amen. Vous savez, nous qui sommes l'église, ou les personnes qui sont le gardien du temple que Dieu nous a mis, nous croisons de problèmes. Il y a par moments de choses que les hommes ne peuvent pas comprendre. Parce que les hommes, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ils ne savent pas dissocier c'est quoi un homme de Dieu et c'est quoi l'œuvre de Dieu. Je ne mettrai pas l'huile sur la tête de ses enfants sans pour autant que j'explique ces choses. Vous savez, les hommes de Dieu, ils sont comme des médecins, ils sont comme des avocats. Au milieu des avocats, ils peuvent aussi avoir un avocat qui est très mal éduqué. Mais cela n'empêche pas qu'il soit avocat. Au milieu des médecins, ils peuvent être aussi des médecins qui ont très mauvais langage. Mais on ne peut pas l'enlever son immunité de médecin. Il demeure médecin. Mais écoute, pour le sang de Dieu, les gens ils pensent que ce sont des saints. Non, des hommes. Amen. J'ai bien dit des hommes. Écoute, Paul le dit très bien. Il dit que ce sont des vases de terre à qui Dieu a placé un mystère. Ce sont des hommes normaux, sujets de faiblesse et sujets de manquement. Mais Dieu, il a plu dans sa souveraineté de le mettre à côté. C'est pourquoi la Bible dit ce sont des dons. Non, j'aime ça en grec. Ce sont des cadeaux. Un cadeau, on n'impose pas. Mentalité d'apôtre, du visionnaire de la mission évangélique Rehoboth. Je te consacre comme étant ancien. Que le ciel s'ouvre sur toi. Que l'esprit de l'intelligence et de la sagesse, de la connaissance et de la révélation repose sur toi. Gospel, Afro Gospel, votre émission. Désormais, suivez-nous sur www.infomediaone.net. Homme de Dieu, artiste musicien, enfant de Dieu, venez, Afro Gospel vous ouvre ses portes.